Dieu, le principe raisonnable, vit partout dans le monde, dans les minéraux, dans les plantes, dans les animaux, dans les hommes. Il vit aussi bien dans le monde visible que dans le monde invisible, mais l'homme ne comprend pas encore celui-ci. Il suffit que vous regardiez autour de vous avec les yeux de l'amour pour que vous voyiez partout la beauté. Dans le souffle du vent, dans le courant des rivières, dans les fluctuations de la lumière, ainsi que dans toutes les manifestations de la vie, se cache le langage de Dieu. Dans le langage de la tempête, je découvre la parole de Dieu. Cherchez Dieu, il est à l'intérieur de vous-même. Les pensées élevées, les impulsions nobles, généreuses, qui naissent en vous, c'est cela le Dieu vivant. Quand vous serez prêt, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour travailler et aller de l'avant. Donnez libre accès à la vie divine et elle vous purifiera. Pour que Dieu puisse toucher votre âme, il vous faut établir la paix intérieure. Dès qu'il commencera à vous parler, tous se rassembleront autour de vous. Quand on découvre une source, chacun vient à elle. Quand l'amour vous habitera, tous vous aimeront. Où pouvons-nous trouver Dieu, demandez-vous? Dans l'intellect, dans le cœur, dans la volonté de tous. Lorsque vous rencontrez un être, entrez en contact avec le divin qui est en lui. Beaucoup cherchent Dieu à l'extérieur. C'est un vestige de l'époque du paganisme. Et cela peut être comparé à un être qui, après avoir vécu très longtemps sous les rayons bienfaisants du soleil, demanderait où se trouve celui-ci. L'homme doit compter sur ces quatre modes de perception qui sont en lui, sa raison, son cœur, son âme et son esprit. Ainsi, il connaîtra Dieu, car en eux et par eux, Dieu nous parle et nous enseigne. Aimez Dieu à l'intérieur et à l'extérieur de vous-même. Certains disent « Nous verrons Dieu quand nous irons dans l'autre monde ». C'est là une conception purement matérialiste qui ne peut qu'entraîner la déception. C'est sur cette terre, c'est partout, que vous pouvez voir Dieu. Pourtant, ne vous leurrez pas en croyant l'avoir vu. Lorsque quelqu'un vient me trouver en me disant qu'il a vu Dieu, je reconnais rien qu'au son de sa voix si le fait est vrai ou faux. Car celui qui a vu Dieu est transformé. Dieu représente la beauté la plus parfaite que vous puissiez voir. La beauté éternelle. Que se passe-t-il lorsque la fleur a vu la lumière? Elle s'épanouit et donne des fruits. Il en est de même pour l'homme qui a vu Dieu, alors que celui qui n'a pas eu cette vision reste enfoui dans le sol comme la graine. La conception, l'idée de Dieu, est sacrée et demande qu'on se sacrifie pour elle. Quand un homme parvient à ancrer dans son esprit cette conception sublime, il s'élève infailliblement au-dessus du niveau de la vie ordinaire. Mais celui qui n'aime pas la vérité, avec tout ce que cela comporte de renoncement et de sacrifice, n'est pas préparé à voir la face de Dieu. On doit chercher Dieu en toute occasion, même au moyen de nos désirs en apparence les plus matériels. Par exemple, en se nourrissant, il faut se dire « Par cette nourriture, je trouverai Dieu ». Aimer Dieu signifie fleurir et répandre son parfum alentour. Cela signifie être une source jaillissante et généreuse. Tous les nobles désirs deviennent alors accessibles. Où siège la connaissance de Dieu ? Là où l'on ressent son amour. Mais vous êtes déprimé, abattu, et vous doutez de l'amour de Dieu. Ce n'est là une attitude ni logique, ni naturelle, puisque du moment que vous vivez, cela signifie que Dieu vous aime. Dans ce cas, c'est à vous de l'aimer davantage, avec plus de lucidité et de ferveur. Comment connaissons-nous que Dieu est amour ? Par la vie ? Qui est la première manifestation de l'amour de Dieu à notre égard. Un des traits distinctifs du sublime est qu'il s'exprime même dans les formes les plus humbles.
Sachant cela, soyez reconnaissant même du peu qui vous est donné. Un jour, ce peu grandira et vous serez comblé. Dans les moments les plus sombres, les plus terribles de votre vie, comme au sein des jours les plus lumineux et les plus beaux, conservez dans votre esprit la pensée que Dieu vous aime. L'amour de Dieu est un roc sacré sur lequel est placée la vie de tous les êtres, et c'est justement sur ce roc que vous pouvez édifier votre avenir. Si vous perdiez confiance en cette base, votre vie s'écroulerait et perdrait tout son sens. Tous les prophètes des temps passés, tous les apôtres, les savants, les philosophes, les êtres de vertu et de bonté sont passés par cette expérience qui leur a permis de divulguer les hautes vérités de la vie. Si vous parvenez à comprendre les lois divines dans toute leur profondeur, vous saurez résoudre les problèmes essentiels qui vous tourmentent. C'est là que réside la compréhension de l'amour divin exprimé par la vie. La vie véritable s'édifie sur l'amour, qui est la nourriture de l'âme, et sur la sagesse, qui est la nourriture de l'esprit. Dieu est esprit, l'esprit est Dieu, sont deux manières d'exprimer une seule et même chose, la réalité de la vie. Que l'homme nie, doute ou philosophe, qu'il reconnaisse ou non cette réalité, il arrivera toujours un moment où il sentira que quelque chose lui manque et le limite. De même que l'homme ne peut pas vivre sans air, de même, il ne peut pas pleinement exister si cette réalité lui manque. Dieu est amour, Dieu est lumière. L'amour divin et la lumière divine pénètrent dans tout l'univers, toute la création. Il en est un qui se manifeste comme amour, comme sagesse et comme vérité. Il en est un. Et toute la nature vivante parle de cet un, le grand. On l'appelle Dieu, le Seigneur, le Père. Il emplit tout. Il emplit tout ce qui est, tous les mondes, tous les systèmes solaires. Et cependant, il reste non manifesté. Et durant toute l'éternité, il ne peut se manifester totalement, car toutes les formes par lesquelles il pourrait entièrement s'exprimer ne s'y trouvent pas. Par lui-même, l'absolu, l'inaccessible, est sans forme. Il est sans limite, sans commencement. Il est rien. Mais ce rien renferme tout en soi. Il se limite sans se limiter. Il se dissimule sans se diminuer. Il crée, mais sans jamais s'épuiser. Il se manifeste en tout, mais sans être lui-même ce qui est manifesté. Il soutient tout, tant au-dedans qu'au dehors, mais lui-même ne prend part à rien. Nous le concevons comme la lumière, la raison, le logos. Mais par lui-même, il n'est ni la lumière, ni la raison. La lumière, la raison, sont ses manifestations. Dieu n'est pas présent dans le monde d'une façon matérielle, tout comme le peintre ne se trouve pas dans le tableau qu'il peint, ni le sculpteur dans la statue qu'il fait. Mais lorsque le grand inconnu se révèle, il nous apparaît comme la lumière sans ombre, comme la vie sans interruption, comme le savoir sans erreur, comme la liberté sans limite. Et quand nous disons que Dieu est tout amour, nous avons en vue une manifestation de Dieu, par laquelle nous pouvons le plus intimement le connaître. L'amour est la première manifestation de Dieu. Il s'ensuit, donc, que là où est le bien, qui en est le fruit, c'est là que Dieu se manifeste. Et lorsque nous parlons de Dieu en tant qu'amour, nous entendons cet être dont découle toute la vie dans l'univers et qui unit toutes les âmes vivantes en un tout, sans changer en rien lui-même. Les âmes représentent différents états dans lesquels l'amour, la conscience divine, se manifeste dans le temps et l'espace. Tout peut disparaître dans le monde, mais cette conscience divine ne disparaîtra jamais. Toutes les âmes réunies constituent la conscience divine. Et le sens de la vie se trouve dans l'union des âmes avec Dieu, dans leur union avec la conscience divine. C'est de cette union que découle l'amour qui fait naître la vie. Dans le plein sens du mot, il n'y a qu'un être absolument bon dans le monde, c'est Dieu. Il est toujours bon,
Dans cet état de bienveillance et de douce bonté, il n'y a en Dieu absolument aucun désir de faire le moindre mal à qui que ce soit. Et si le Seigneur passait à côté du plus petit moucheron, il lui donnerait toutes les conditions nécessaires pour vivre et se développer. Dieu ne juge personne. Il ne retient personne en lui. Il ne limite personne et il n'a pas de quoi juger. Ce qu'il y a d'indiciblement beau en Dieu, c'est qu'il ne se rappelle que le bien que nous avons fait. Il ne se souvient pas du mal. Dieu laisse tous les êtres absolument libres. Jusqu'à présent, il n'a jamais dit à aucun être dans l'univers, si petit qu'il fût, « Fais cela ou sers-moi ». Il lui montre la voie, mais laisse chaque être libre de faire lui-même son choix et d'agir comme bon lui semble. Et vraiment, si nous nous attachons à Dieu, si nous le servons, quel profit en a-t-il ? Pouvons-nous lui donner le savoir ? Non, il sait tout. Pouvons-nous lui donner la force ? Non, il est le plus fort. Tout peut passer, tout peut s'écrouler, mais lui est à jamais inébranlable. L'unique chose par laquelle nous attirons Dieu, c'est notre impuissance, notre néant. Lorsqu'il nous voit si misérables, souffreteux et tellement ignorants, il sent naître en lui, dans sa suprême grandeur, un élan, un désir de s'incliner vers nous, de nous tendre la main et doucement de nous dire « En haut maintenant !» Le désir de Dieu est de nous libérer, de nous purifier, d'éclairer nos esprits, d'ennoblir nos cœurs, de déposer dans nos âmes cette flamme par laquelle nous connaîtrons qu'il est tout amour. Dans le cœur de Dieu, il y a quelque chose d'ineffablement auguste. Il élève les peuples, les sociétés, les familles, les individus. C'est à lui que nous devons tous les biens, le savoir, la sagesse, la vérité et la liberté. Et tous les grands hommes, c'est lui qui les a élevés au-dessus des autres. Il représente comme une impulsion de l'Esprit divin. C'est par eux que Dieu veut faire entrer l'amour, la sagesse et la vérité dans le monde. La vie émane de Dieu. Tout est compris dans l'amour de Dieu, dans sa sagesse et sa vérité. Dès que l'amour, la sagesse et la vérité s'éveillent, l'Esprit divin est présent parmi les hommes et ils conçoivent la vraie réalité des choses. Il faut que l'homme sache qu'il y a seulement un Dieu et un amour, une sagesse et un savoir, une vérité et une liberté, une justice et un équilibre absolu, une bonté vivante et une source de bien pour tous. En dehors de ces unités de mesure, il n'y a pas d'autre mesure pour la grande réalité. Il n'y a de réel que ce qui appartient à l'un, au Dieu vivant. Il y a cependant des gens qui demandent « Dieu existe-t-il ? Et s'il existe, où est-il ? » Tout l'univers représente la ville divine où Dieu demeure. Sa conscience, sa raison sont si sublimes qu'elles embrassent jusqu'aux plus petits êtres et prennent soin de leur vie. Tous les anges, tous les êtres qui ont vécu sur la terre des millions d'années avant nous savent ce qu'est Dieu. Et c'est avec un saint tressaillement qu'ils se tiennent devant cet être auguste dont le cœur est la source, d'où découle l'amour sacré qui élève et soutient le cosmos tout entier. Et si vous leur demandez ce qu'est Dieu et où il est, ils vous répondront en se conformant à votre manière de parler. Il n'y a pas d'être qui soit plus proche de vous que Dieu. Il n'y a pas d'être à l'esprit plus éveillé, au cœur plus attentif, à la volonté plus puissante, et pour qui il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas d'être plus noble, plus saint, plus pur, plus sage, plus fort, plus puissant que Dieu. Il est partout, au ciel, dans tous les soleils, et sur la terre, derrière tout. Prenez le vent, l'eau, les plantes, les animaux, les hommes. Dieu est présent derrière tout. Il n'y a pas une seule chose au monde
derrière laquelle Dieu ne se trouve pas. Tout ce qui est en nous et hors de nous, tout ce qui nous entoure, représente un fond derrière lequel, tel un peintre sublime, se cache le Seigneur. Il est caché très profondément, parce qu'il veut nous laisser libres. Et c'est parce que Dieu est caché si profondément que les hommes le cherchent continuellement, au dehors, et veulent s'approcher de lui par des moyens tous extérieurs. Mais Dieu n'est pas une réalité qui peut être démontrée. Et vouloir prouver l'existence de Dieu équivaut à déclarer qu'il n'y a pas de Dieu. Toute preuve de l'existence de Dieu est un processus mécanique. Et celui qui veut la preuve de l'existence de Dieu a rompu dans sa conscience le lien qui l'unit à lui. Dès que ce lien est rétabli, la vie commence à couler sans interruption de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu. Alors dans l'esprit, dans le cœur et la volonté de l'homme, il y a un flux ininterrompu de la conscience divine. Et alors aussi cessent tout naturellement ces questions dénuées de sens. Y a-t-il un Dieu? N'y a-t-il pas de Dieu? Dieu nous aime-t-il ou nous a-t-il oubliés? Parce que l'amour envers Dieu, dont découle ce lien vivant entre l'homme et Dieu, c'est une expérience mystique et intérieure qui se manifeste dans les formes et les degrés les plus variés. La force magique de cette conscience se trouve dans un moment où l'homme élève sa pensée, son cœur, son âme et son esprit vers ce principe éternel, sans aucune hésitation, sans aucun doute. Et tout est possible à l'homme qui a connu ce moment. C'est alors seulement qu'il comprendra le sens de la vie, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse le lui révéler. Qui est Dieu? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons connaître l'absolu, l'inaccessible. Il est dit que jamais personne n'a vu Dieu. Si nous voulons parler de lui, nous pouvons envisager le Dieu manifesté, le Christ. En tant que manifestation du divin, le Christ ne peut en être séparé, car sur la terre, le Christ est l'expression la plus achevée de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin, c'est le mouvement de l'esprit dans l'application raisonnable des lois de la nature. La vie, c'est l'organisation harmonieuse des éléments et le développement des forces de tous les êtres vivants. La vérité, c'est le lien que Dieu a créé entre lui et nous. Dieu est amour. Le Christ, qui est la plus parfaite émanation du monde divin, le monde de la vérité, a revêtu la forme humaine pour pénétrer dans le monde matériel, afin de révéler aux âmes des hommes le chemin qui mène à Dieu, les faisant ainsi passer de la vie temporaire à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et le Christ que tu as envoyé. Le Christ est le principe raisonnable, issu de Dieu, qui porte la vie à tous les êtres. Il les dirige, les protège et les unit au centre originel de la création. Il apporte sur terre la science de l'âme. Il indique aux âmes humaines la voie de la connaissance de Dieu. La porte qui permet d'accéder à cette voie est l'amour. Dieu est amour. Il est à l'origine de toute chose. Et l'on peut ainsi affirmer que l'amour précède tout. C'est l'amour qui constitue la substance de toute chose. Il est la lumière qui pénètre partout et rend les choses visibles. Nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous n'avons pas d'amour pour lui. L'amour est la lumière du monde qui mène au vrai savoir et à la connaissance de la vie. Rien ni personne ne peut nous être véritablement révélé si nous n'avons pas d'amour. Lorsqu'on dit que l'homme doit se connaître lui-même, cela signifie qu'il doit découvrir et aimer le principe divin qui l'habite. Pour cela, il lui suffit de suivre la voie lumineuse tracée par le Christ.
et il pourra alors reconnaître la présence divine, non seulement en lui-même, mais aussi chez autrui et dans toute la nature. Et de surcroît, les conditions d'un développement positif lui seront données. Dieu, qui a créé l'univers, est présent en tout et partout, mais il ne l'est pas d'une manière matérielle, pas plus que le peintre n'est présent en son tableau. Lorsque Dieu se révèle à nous, il le fait comme une lumière sans ombre, comme une vie sans fin, comme un savoir infaillible, comme une liberté sans restriction. Lorsque nous disons que Dieu est amour, nous entendons l'amour en tant que révélation de Dieu. C'est pourquoi, là où l'amour est présent, avec le bien comme le fruit de sa manifestation, là se révèle Dieu. Dieu est amour, et l'amour engendre la vie. Donc, il faut entendre par Dieu l'être dont toute vie découle dans l'univers et qui unit toutes les âmes en un tout. La vie entière se résume dans l'amour divin, dans la sagesse et dans la vérité divine. Là où ces trois principes se manifestent, l'Esprit divin est présent parmi les hommes et la vie se révèle dans son essence réelle. Bien des gens demandent « Où est Dieu ?» Mais l'univers tout entier nous le révèle et nous le voyons partout. Derrière le soleil, les astres, derrière l'air et l'eau, derrière le pain, derrière toute forme se tient Dieu, l'amour. Lorsque l'homme regarde les étoiles, le soleil, les montagnes, les arbres, les fleurs, lorsqu'il reçoit la lumière, l'air, l'eau, la nourriture, il s'unit à celui dont toutes ses formes sont le véhicule, c'est-à-dire Dieu, à l'amour. S'il se nourrit, s'il respire avec gratitude et amour, il en retirera un meilleur profit. Sans amour, il laissera inemployées les forces dont il aurait pu bénéficier. L'amour pénètre tout. C'est le milieu divin dans lequel nous sommes plongés, dans lequel nous vivons et agissons. Celui qui veut véritablement voir doit tout regarder avec les yeux de l'amour. Dieu souhaite le bien pour tous. Et le bien est une manifestation de l'amour. Voyez partout la providence divine, la suprême force créatrice de l'amour. Voyez Dieu. C'est encore l'amour qui a donné aux saints, aux martyrs, la force de résister aux épreuves et aux supplices auxquels ils ont été soumis. L'amour est plus fort que les souffrances, plus fort que la mort, car il est la vie, la manifestation de Dieu. Les hommes d'aujourd'hui s'ignorent et ne s'entraident pas dans les difficultés et les malheurs, parce qu'ils ne sont pas unis par l'amour, dans l'amour. C'est pourtant lui seul qui permettra aux êtres de se connaître véritablement et profondément. C'est de cette seule manière qu'ils accompliront la volonté de Dieu et qu'ils le serviront. Personne n'a jamais vu Dieu, l'absolu, l'inaccessible. Mais chacun peut connaître sa manifestation, l'amour, à condition d'être pénétré d'une sainte aspiration vers le divin et de l'aimer comme la source éternelle de la vie.